Westboro, État de Virginie. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, domicile Siega. Chantez vite, chantez. Tout a commencé en toute africanité par le chant de ralliement du peuple Bameka. Une sorte d'hymne bien exécuté par cette famille Munka des États-Unis d'Amérique, ici réunie autour d'un idéal. Celui de magnifier leurs origines et penser le développement du village. Au détour d'une convention dont l'organisation aura été bien méticuleuse. En effet, l'organisation de la convention a commencé depuis le jour où les frères et sœurs ont décidé que l'édition 2021 se tiendrait ici à Westboro. Nous avons donc pris des dispositions pour nous assurer qu'il y aura un espace convenable pour la tenue des assises et qu'on a pris des dispositions en termes d'hébergement et beaucoup plus sur le plan gastronomique. Vous savez, Westboro est un petit village loin des grands centres et pour s'approvisionner, il faut aller dans de grands centres comme Richmond, Washington et Silver Spring. Donc nous avons établi un calendrier de ravitaillement et nous avons pris d'autres dispositions pour que les enfants trouvent leur compte le jour de la convention afin de ne pas perturber les travaux. Et ensuite, nous sommes assurés que les autorités locales ne devaient pas nous perturber parce que nous sommes encore dans la distanciation sociale, dans les mesures de distanciation sociale contre la COVID. Et il était question qu'on s'assure que les travaux se dérouleraient normalement. Voilà, tous les détails et aspects passés au crible par Martin Siega et son comité d'organisation, dont les membres se recrutent essentiellement dans la famille, à savoir femmes et enfants. Pour une organisation justement qui certes ambitionnait la perfection, mais qui n'a pas été sans difficulté. La première difficulté que nous avons rencontrée était la communication avec les participants. Comme les frères et sœurs sont éparpillés dans tout le pays, avec des distances assez considérables, il était question que ceux qui sont sûrs de faire le déplacement se signalent afin qu'on puisse prendre des dispositions pour les accueillir, pour les héberger, pour les nourrir. Bon, quelques-uns l'ont fait et d'autres ne l'ont pas fait. Et c'était un peu une très grande difficulté. Par ailleurs, il y a une grande société comme Amazon qui est en train de s'installer dans la ville et qui a réquisitionné tous les hôtels. C'est pour ça que nous insistions pour que les uns et les autres se signalent afin qu'on puisse négocier des prix convenables dans les hôtels pour pouvoir les accueillir. La deuxième difficulté était au niveau du transport. Certains sont venus par avion sans avoir signalé et l'aéroport le plus proche est à 45 minutes. Il fallait prendre des décisions pour aller les accueillir. Ceux qui sont venus par avion ne peuvent pas facilement trouver des moyens de locomotion ici, donc il fallait trouver des véhicules pour pouvoir leur faciliter les déplacements. Et ceux qui sont venus en bus, il fallait aller les chercher dans les agences. Et si ce n'est pas coordonné, ça va faire beaucoup de problèmes. Et voilà donc les quatre difficultés que nous avons eues. Bon, mais au bout du compte, tout s'est très bien passé. Donc tout le monde a été bien accueilli, tout le monde a été bien servi, les travaux se sont bien tenus et les gens sont rentrés chez eux. Mais nous, on n'en est pas encore là, Monsieur Siega. Toutes les conditions réunies, les travaux peuvent commencer. It's wonderful for us to come together as a family for the common good for our village Bameka. I will present 6 item report of our 2 years in office. Our main goal when we took office was threefold.
to structure the meeting by coming up with bylaws. Des différents bilans des sessions précédentes, aux états des contributions, en passant par les projections et autres modifications, pour le bon fonctionnement futur de l'association. Les prises de parole s'enchaînent et se déchaînent. Coming together is a beginning. Staying together is the progress. And working together is a success. So let's stay together. Let's work together. May God bless Bamako, Cameroon and the United States. Dans l'occasion du calendrier, il nous demande spécialement, y compris pour moi, insister, de trouver du temps et de venir participer physiquement et individuellement à cet événement culturel de 2023. Il ne dit pas 2026, il ne dit pas 2027, il a dit 2020, il a beaucoup insisté. Il vous prie que chacun a ce qui le concerne. Nous avons 2 ans pour nous préparer. Chacun a ce qui le concerne, s'arrange avec son programme, essaie de s'organiser avec son travail pour pouvoir, à cette période qui sera normalement vers le 3e mois de 2023, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, assister physiquement. Amen. À cette, à ce grand festival culturel Bamako. Donc, Mahari, solde de qui dit détaillé, que l'ingouane est 1460 là-bas. Bon, ton bifol ou de Tamelia, Puma, au total, il conviendrait de fixer cette durée comme délai standard de dépôt bancaire dans les fonds, déposé dans le compte de l'association dans les 24 heures. Une gang, dans les délais. Donc, même quand vous dites, si ça continue ainsi, il faut assigner un délai de 24 heures. Papa matin, là, que vous voulez projet, à votre gang, là, que très bien des formes sources de financement. Nous allons là, nous allons trouver, nous allons contribuer 2000 dollars. Puis, papa matin, je suis là, papa matin, là. I just came from Bamako in April. I saw a lot of little progress, but I think we have a lot of opportunities. For the first time, I realized that it seems like Bamako is the seat of education for most of your surrounding villages. L'école bilingue Bamako Saint-Martin et l'école de Meji. Pour les écoles privées, nous avons 5. L'école catholique de Lactite, l'école catholique de Messin, l'école catholique de Pombeux, l'école Sébec de Messin et l'école Sébec de Jouan. Oh, Belo! La diaspora camerounaise en général se caractérise par une grande diversité, telle que le témoigne la pluralité d'associations de parlementes à l'intérieur desquelles les compatriotes se retrouvent. Bamako en étant un modèle ici aux États-Unis d'Amérique. Et les conclusions de cette session 2021 laissent augurer d'un avenir enchanteur. Les attentes par rapport à la sortie de cette convention, c'est que nous comptons, n'est-ce pas, continuer à mobiliser les Bamako vivants sur le sol américain. Vous savez, l'Amérique, c'est un continent. Et cette fois-ci, la convention était du côté est. Et nous savons que les Bamako sont dissimulés un peu partout aux États-Unis. Nous comptons continuer dans la communication, comptons continuer dans la sensibilisation pour élargir la base de l'association afin que prochainement, à notre prochaine convention, peut-être le nombre de ceux qui étaient là hier, n'est-ce pas, soit redoublé. Il y a eu des modifications techniques au sein du bureau. Nous avons souhaité que le bureau soit reconduit. Bon, mais il y avait quelques membres au niveau du bureau qui se sentaient un peu fatigués. Après 2 ans de situ labeur, ça se comprend. Le vide a été comblé et nous en sommes vraiment très fiers. Les personnes qui ont été choisies, surtout la vice-présidente qui a été élevée au niveau de la présidence, je crois qu'elle a fait ses preuves et nous sommes très fiers de ce choix, n'est-ce pas, de l'association. Il s'agit d'elle, Dame Honorine Maillot,
nouvelle présidente de cette association à la suite d'un plébiscite de tous les membres. L'objectif que nous avons pour ce nouveau mandat, ou alors la vision globale, sont les suivants. La mise en application du règlement intérieur qui a été adopté le 16 mai 2021, l'accroissement de l'effectif de Permuka parce que le nombre est très important, la mise en place du conseil des sages qui représente la base ou alors la fondation même de l'association, l'implication et la responsabilisation des membres dans l'épanouissement de l'association, l'obtention d'un statut de non-profit organisation afin d'organiser les levées de fonds auprès des communautés et d'autres organismes. Et l'un des projets qui nous tient le plus à cœur étant celui basé sur l'éducation, nous souhaitons réaliser le projet sur le programme d'assistance scolaire aux enfants de Bamika. Cette diversité organisationnelle est sans doute bonne dans un monde où les idéologies, les approches et autres intérêts sont si différents. Autrement dit, chaque membre de la diaspora est à même de trouver une entité à laquelle il peut s'identifier. Solidarité agissante, les Bamika, grâce à la vision et le leadership de ses fils résidents aux États-Unis, assistés par leur grand guide, Feta Koukam, à partir de l'idée simple, celle de contribuer au développement du village, sont dans cette perspective. L'implication justement de Mbalonta Koukam dans cette convention 2021 est une réalité. Son porte-parole ici s'appelle Sébastien Tala d'Indefela Njap, notable hors hiérarchie de la Cour royale Bamika. Nous avions ébauché un sujet qui concernait notre autonomie, l'autonomie de la communauté Bamika des étrangers. Ceux qui sont dans cette salle et qui ont assisté à ce débat doivent se rappeler forcément. On en a discuté, c'est moi qui étais venu avec l'idée, et il y avait des points de vue divergents. Et moi, proche de Sa Majesté, je ne peux pas vous cacher, je lui en avais parlé. Voilà l'idée qui m'est germée la tête, et j'ai proposé à notre assemblée, à notre réunion, à notre association, il y a eu des discussions par rapport, mais aucune décision n'a encore été prise. Mais guess what, hier, quand Majesté m'a appelé, il était 2h du matin aux États-Unis. Il m'a dit, et ça ce sont ses mots, vous pouvez vérifier avec vos sources, de vous dire, de vous considérer désormais autonome. En attendant qu'il formalise cela, de vous considérer désormais autonome. Ça ne vous empêche pas de faire des actions d'apôtre quand peut-être il y a quelque chose à acheter. Il peut dire, bon voilà, ok, au village, nous avons besoin d'ici, telle chose. Nous allons toujours agir. Mais désormais que nous sachions que nous sommes autonomes. Et c'est dans cette optique aussi qu'il insistait pour le calendrier 2023. Parce qu'il voudrait nous voir et nous voir à l'action. Quand il dit qu'il veut que nous venions, que nous venons personnellement, physiquement, le rencontrer à Jupéry, c'est parce qu'il sait que nous ne pouvons pas descendre les mêmes villes à Bamika. Nous descendons avec les projets. Nous sommes les Américains. Et quand quelqu'un dit Américain, il sait de quoi il parle. Donc, il compte beaucoup sur nous. Et cette autonomie, il m'a dit de vous dire que considérez que c'est fait. En attendant qu'il le formalise, nous allons lui faire une demande, parce que l'administration est écrite. Nous allons lui faire une demande à son titre de réunion, si nous tombons là. On lui fait une demande et il va formaliser cela. Il sera publié, n'est-ce pas, sur les bancs, n'est-ce pas, soit des journaux à Bamika ou bien. Mais toujours est-il qu'il nous a donné cette autonomie. Je lui avais parlé en tant que communication personnelle, c'est-à-dire c'était un échange entre lui et moi comme d'habitude. Mais il en a pris comme un problème personnel. Vous pouvez comprendre, ce chef il est très soucieux du développement de l'Amérique. Et il ne voudrait rien qui peut entraver ses actions. Parce qu'il sait que si nous sommes autonomes, nous sommes capables de beaucoup. Puisque nous ne passerions plus par un organe, une organe quelconque, pour faire quoi que ce soit Bamika, nous irions directement réaliser nos projets. Et ce que nous allons réaliser sera visible, ce sera visible, ça va rester dans l'histoire. Ça sera plus les... Il y avait un comité ici à Bamika, il y avait dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il compte beaucoup sur nous. Donc, j'ai tenu à vous donner cette communication et comme je vous dis, ce sont ces paroles. Je n'en m'entends rien. Et aussi,
dernièrement, il y a un frère qui allait à la chefferie Bamika. Il allait au village et je l'ai chargé d'une commission à la chefferie. Notre frère Charles est ici. Il a rencontré Majesté. Et Majesté a profité de sa présence pour lui envoyer un paquet pour nous. Antia, ta bénédiction, Majesté, tu es un bon. Donc je vais prendre le soin de nous dispatcher cela tout à l'heure. Et vous allez voir ce que c'est. Antia, donc, dis-le, je suis libre. C'est dans un paquet. Que je vais laisser quelque part ici. Antomang, bon. Yo pa mala pa ma pe an pe hela no mi ka pa mo pate pa mo pate pa fe te tanga i won chen an chen bu pe a bo mi fe fie ha mo pe no pe no wo ngui ne mbi mi nta ga ke pe wo ngui no ngo la kwa no ngo la pendre. Alors, je vais vous montrer la moque. En tout cas, je vais vous montrer je vais vous la tout le monde a un million de dollars par milliard de dollars par mois. Ce que nous pouvons retenir de cette convention, c'est surtout et d'abord la communication du chef supérieur Bamika. L'honneur m'a été fait et je lui en suis très reconnaissant. L'honneur m'a été fait, n'est-ce pas, d'être la courroie de transmission entre lui et la communauté Bamika. Et j'espère que j'ai été à la hauteur, n'est-ce pas, dans la transmission. Mais toujours est-il que ces mots étaient très touchants, ces paroles étaient très très touchantes et le message était très touchant. Nous avons été vraiment, toute la communauté a été très accueillante et très très marquée par le message qu'il nous a transmis et nous lui en sommes reconnaissants. Nous lui disons d'ailleurs merci pour cette occasion, n'est-ce pas, qui n'a pas manqué de nous renouveler sa confiance. Et je tiens aussi à dire que notre communauté sort de cette convention grandie et regaillardie. Viens, chérie, viens, 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 pas vous papa, il m'a dit que je suis là. Papa, il m'a dit que je suis là. Ai-je été satisfait de l'organisation? Je voudrais répondre par étapes. En termes d'accueil, je crois que les Bamika ont eu un espace assez confortable pour tenir leurs travaux.
En termes de résultats, je crois que les travaux se sont bien déroulés puisque nous avons fini la convention avec l'élection de notre nouvelle présidente. Et aussi en termes d'hébergement, tout le monde a été bien logé, que ce soit ici dans ma petite demeure ou dans les hôtels, les gens ont été bien logés. En termes de gastronomie, je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Il faudrait que ceux-là même qui étaient les autres puissent en parler, qui puissent apprécier. Mais je crois que mon épouse a fait ce qu'elle pouvait de mieux pour pouvoir satisfaire tout le monde. Bon, il reste maintenant à poser la question aux participants de la convention. Est-ce qu'ils ont été satisfaits? On ne peut pas danser et savoir qu'on est en train de bien danser. Là, c'est un jugement fait par moi à ce niveau-ci. Mais je crois que la question devrait également être posée pour cette participation. MC Carré Bameka, tu rêves à la réalité. Oui, pour un développement durable. On dit que cette convention a été un succès total. Un succès total d'abord à cause de son organisation. Hein? L'organisation était parfaite. Et à cause du nombre de participants, ce que nous n'avions jamais vu au sein de notre communauté, les records ont été battus. Et surtout grâce à la réception. La réception a été quelque chose de grandiose. Elle n'a pas, je peux dire que nous n'avons pas encore vu une réception comme celle-ci depuis que nous faisons des conventions de l'association des Bameka aux États-Unis. Ce qui fait que c'était tout un honneur pour nous. Et nous remercions, n'est-ce pas, l'organisateur qui est, bref, celui qui nous recevait, Monsieur Martin Sierra, et aussi, n'est-ce pas, le bureau sortant, et pour, n'est-ce pas, la mobilisation qui a été faite pour cette convention. Et voilà, tout le monde est reparti et tout s'est bien passé. S'agissant des grandes lignes de cette convention, je dois signaler d'abord qu'il y avait les grandes retrouvailles. Grandes retrouvailles parce que après le lancement de la convention en 2018 au Maryland, session au cours de laquelle nous avons eu à peine 8 membres, les membres se sont retrouvés plus d'une vingtaine en Pennsylvanie en 2019 et ont décidé que chaque année ils devaient venir plus nombreux. Malheureusement, en raison de la pandémie, et du confinement, 2020 était une très mauvaise année, on ne pouvait pas se retrouver. Donc tous avaient hâte de se retrouver à Westboro en 2021. Donc c'est les retrouvailles entre frères et sœurs qui était la première particularité. La deuxième, c'est que au cours de l'année dernière, la communauté Bameka a perdu une fille par noyade, Bélis Majosiega, et il était question au cours de cette assemblée de faire une petite commémoration, une sorte de funérailles. Ensuite, au cours de l'année 2020 également, une autre fille, Bameka, est sortie pharmacienne et travaille de surcroît ici à Winsboro. En raison de la pandémie, on n'a pas pu faire une cérémonie de graduation pour elle. Donc, on a profité de l'édition 2021 pour faire les grandes retrouvailles, la commémoration du décès de Belize et la graduation de Stella.
Et la quatrième particularité, c'était le grand message du roi de Bamaka. Le roi de Bamaka a envoyé un message fort à sa communauté ici, et ce message était porté par le notable Denis de Felandjab, qui est grand notable à la cour royale Bamaka. Vous avez sûrement vu le notable en train de délivrer le message de Sa Majesté sur l'une des vidéos qui vous a été qui vous ont été envoyées. Donc en bref, voilà les grandes lignes. Et la dernière particularité, c'était le renouvellement du bureau. Le bureau sortant a été reconduit, mais modifié en quelque sorte. Donc, celle qui travaillait comme vice-présidente est devenue présidente. Donc, désormais, la communauté bamaka des États-Unis est dirigée par une dame très vaillante. Pour ceux qui sont déjà membres, je les remercie de ne pas avoir oublié leurs origines et je les encourage à tenir bon et à montrer le bon exemple à suivre par les autres. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, je souhaite qu'ils comprennent la nécessité de se rapprocher de sa communauté, surtout dans un pays comme celui-ci, très loin de chez nous. Une dame vaillante et déterminée, aux ambitions louables pour son Bamaka natal, événement dans l'événement. La famille Bamaka, au-delà de cette convention, célébrait parallèlement. Quelques autres nouvelles de sa famille américaine. Cela est une grande fierté pour moi. Pour ceux qui étaient à la convention en 2019, je l'avais présenté, je vous avais dit qu'elle était à l'école de pharmacie au Tennessee. Et elle a gradué pour moi de juin l'année dernière. Et au moment où je m'apprêtais à organiser une fête pour célébrer, sa sœur est décédée. Donc nous avons tout renvoyé. Donc maintenant que nous avons pu commémorer celle qui est partie, c'est le moment aussi de célébrer celle qui a mérité, celle qui a eu avec Dieu son succès à l'école. Je ne sais pas ce qu'elles sont encore en train de faire. Donc, il s'agit de celle-ci, Stella. Stella est une grande fierté pour moi. Elle a fait l'école de pharmacie au Tennessee. Elle est partie du Cameroun. Son anglais était presque zéro. Bon, mais elle s'est battue. Elle a bravé toutes les épreuves. Elle a eu son école de pharmacie. Elle est allée, elle a formé. Pendant sa formation, elle était rock high. Bon, c'est les médecins qui peuvent savoir ce que veut dire rock high dans le domaine de la pharmacie. Ça veut dire qu'elle était parmi les 10 meilleurs élèves de l'école. Lorsqu'elle est sortie, elle est venue à Charlotte faire un stage où on l'a recrutée à CVS ici en ville. Il y a deux agences, il y a deux bureaux de CVS ici en ville. Donc elle a eu la chance d'être recrutée dans l'un des bureaux comme pharmacienne, comme toute pharmacienne. Et 4 mois après, on l'a nommée pharmacie manager à la deuxième pharmacie. Wow. À l'heure où je suis en train de vous la présenter, Stella vient de décrocher un contrat de district leader à Charlotte, à l'état de North Carolina. Wow. Elle va là-bas, elle sera district leader. Elle aura plusieurs autres pharmacies sous elle, avec tous les autres pharmaciens. Wow. Donc je crois qu'il n'y a rien de aussi merveilleux à célébrer. Wow. Vraiment, je suis content de vous la présenter. Et non, Dieu grand. Congratulations, Stella. Dieu t'a enlevé. Dieu t'a Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. À l'école, on m'a pas appris à faire le discours. Ils m'ont appris qu'ils ne m'ont pas le discours. Anyway, je veux d'abord vous remercier d'être là aujourd'hui pour célébrer ceci avec nous. Remercier aussi le Seigneur qui nous a conduit ici aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur vous conduit chacun de vous à destination. Merci. That's sweet, though. Je crois que c'est actually. Ok. Ok.
C'est pas pour Félix, vous faites le bon de bon sur la piste. La stratégie de l'association est de réunir tous les Bameka dispersés sur le territoire américain. Une ambition qui au fil des années se réalise au grand bonheur de ses compatriotes qui pour leur communauté restée au pays adressent ce message. Le message que nous pouvons envoyer au village Bameka, c'est que nous arrivons et nous comptons, n'est-ce pas, mobiliser plus des forces, de nos forces pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser des projets concrets qui vont bénéficier, n'est-ce pas, à nos pauvres villageois au niveau de Bameka. Et nous pouvons vous dire, nous arrivons. Attendez-nous. Ça, c'est un message pour vous dire que les Américains arrivent. Vive le Cameroun et sa diaspora. Véritable levier de son développement futur.